Dhammapada, versé sur les inconscients. Longue est la nuit pour celui qui ne dort pas. Longue est la route pour le voyageur épuisé. Pour l'inconscient qui ne connaît pas le Dhamma, le cycle du samsara est interminable. Si, sur ton chemin, tu ne rencontres pas de compagnon qui te soit égal ou supérieur, alors continue ta route seule et résolue. Ne t'encombre pas de la compagnie des inconscients.
J'ai des fils, j'ai des biens, s'inquiète l'inconscient. Alors qu'il ne s'appartient pas à lui-même, comment des fils ou des biens pourraient-ils lui appartenir? L'inconscient qui se sait inconscient est au moins sage dans cette mesure. Mais l'inconscient qui se croit sage mérite vraiment d'être appelé inconscient.
même si une vie entière l'ignorant reste auprès d'un sage, il ne connaît rien du Dhamma, pas plus que la louche ne connaît le goût de la soupe. Même si, un instant seulement, une personne douée de discernement reste auprès d'un sage, elle connaît aussitôt le Dhamma, comme la langue connaît le goût de la soupe. L'inconscient, pauvre en sagesse, est son propre ennemi. Il passe sa vie à commettre de mauvaises actions dont les fruits sont amers.
L'action n'est pas juste quand vous la regrettez après, quand les fruits que vous en récoltez font couler vos larmes. L'action est juste quand vous ne la regrettez pas après, quand les fruits que vous en récoltez vous apportent joie et bonheur. Une mauvaise action n'a pas porté ses fruits, l'inconscient la croit douce comme le miel. Mais quand ses fruits mûrissent, l'inconscient sombre dans la désolation.
même si, mois après mois, l'inconscient se nourrit à la manière frugale de l'ascète, il ne peut se comparer en valeur à celui qui connaît la vérité du Dhamma. De même que le lait met du temps à cailler, une mauvaise action n'a pas de conséquences immédiates, mais elle brûle l'inconscient qui l'a commise comme un feu couvant sous la cendre.
La renommée n'apporte que malheur à l'inconscient, car elle gâche ses dons naturels et anéantit sa bonne fortune. Il va réclamer un statut non mérité, la préséance parmi les moines, l'autorité sur les monastères et l'hommage des disciples laïcs. Que laïcs et moines croient que j'ai accompli cela tout seul. Par mon propre discernement, je déciderai des tâches à accomplir. Ainsi pense l'inconscient, envahi par l'orgueil et la convoitise. La voie du succès matériel va dans une direction, celle de la libération dans une autre. Voyant cela, le moine disciple du Bouddha, de l'éveillé, ne doit pas prendre plaisir aux distractions du monde, mais, au contraire, rechercher la solitude.